quelques pas de la gare de l'Est, assis devant un café noir, je repense à mes faits et gestes, et je comprends pourquoi j'ai du mal à ne pas suivre mon étoile. Assis devant un café noir, à 200 mètres de la gare, j'ai l'impression d'avoir compris pourquoi vraiment, intensément, passionnément à la folie. J'ai toujours préféré la fuite aux lingots d'or et aux pépites. Comme un Sinbad en embuscade, je me balade et je défie tous ceux dont la vue est trop basse, qui me condamnent par contumace. Comme un indien prolétarien, un bon à rien, un musicien. En face du tombeau de Lénine, assis devant un café crème, j'ai des souvenirs qui m'assassinent. Et je sais bien que je comprends pourquoi je lève toujours le camp. Assis devant un café crème, face au tombeau du grand Sachem, je sais pourquoi je suis ici, pour quelques heures ou pour du beurre, pour quelques siècles ou pour la vie. J'ai toujours préféré la fuite aux lingots d'or et aux pépites. Comme un Sinbad en embuscade, je me balade et je défie tous ceux dont la vue est trop basse, qui me condamnent par contumace. Comme un indien prolétarien, un bon à rien, un musicien. Dans le train vers Samarcande, assis devant un café froid, ma mémoire c'est ma légende, et je sais pourquoi je m'obstine à rêver tout ce que j'imagine. Assis devant un café froid, le long de la route de la soie, je soigne ma mélancolie de kilomètre en kilomètre. Elle est peut-être mon amie. J'ai toujours préféré la fuite aux lingots d'or et aux pépites. Comme un Sinbad en embuscade, je me balade et je défie qui me condamne par contumace. Comme un indien prolétarien, un bon à rien, un musicien. En face du tombeau de Lénine, quelques pas de la gare de l'Est,